Je suis jamais allé à l'école. Je ne connais pas mon âge. J'ai envie d'aller à l'école. On ne le dira jamais assez, la place des enfants est à l'école et non au travail. Et pourtant, ils sont environ 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans à exercer une activité économique en Côte d'Ivoire. On les trouve un peu partout et plus encore dans les zones rurales, exerçant parfois des activités rudes. Des voix s'élèvent alors pour dire non aux pires formes de travail des enfants. À l'initiative de l'association Petit Kwaku, Onelmala, Papniepo, Betika, Spairo et bien d'autres posent leurs valises dans la ville de Soubré. En cœur, ils tirent la sonnette d'alarme. Un enfant, quand il naît, à un certain âge, il doit aller à l'école. Et puis, parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas lire ou écrire, c'est comme, tu es comme un aveugle. Hein. Ce n'est pas pour insulter les aveugles, mais tu vas partir où avec ça? Abolir le boulot des enfants ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas travailler, mais c'est de savoir faire le juste milieu et puis quand même permettre aux enfants de s'instruire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'école reste un premier pas pour instruire et développer les âmes vivantes que sont les enfants. En fait. L'action est soutenue par le BIT, Bureau international du travail. Prochaine étape, à Bangourou, Petit Kwaku entend défendre la cause des enfants sur l'étendue du territoire national.